Je n'ai jamais voyagé de toute ma vie. Je ne suis jamais partie seule et je n'ai jamais dépassé les frontières françaises ni fait de bivouac toute seule. Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre. Mars 2028. Bon. C'est pas plus compliqué qu'à la maison. Hein? C'est juste plus petit. Mais sinon, c'est la même chose. Ok? Premier soir dans le van et dehors, c'est la tempête. J'ai déjà envie de rentrer à la maison. Il fait froid, il fait sombre, et je m'ennuie. Mars 2028. Heureusement que ce matin, il fait beau. Ça redonne le moral et rend les choses moins difficiles. Aujourd'hui, je vais prendre direction les Landes. Je n'y suis jamais encore allée, mais j'espère arriver d'ici 2 jours. Mais je ne peux pas rouler vite, parce que je dois économiser mon carburant. On m'a dit que là-bas, il y faisait bon vivre. Et que les gens qui se promènent sur les plages ont le sourire. Comment arrivent-ils encore à sourire après tout ce qui s'est passé chez eux? Ils n'ont jamais réussi à reconstruire après les premiers incendies de sécheresse. Tous les étés, avec mes parents, je voyais aux informations que le feu ravageait les forêts là-bas. Et puis tous les printemps. Et maintenant, ça commence dès février. Je ne sais pas comment ils arrivent à garder le sourire. Mars 2028. Aujourd'hui, nous aurons une minimale de 13 degrés pour le Nord-Pas-de-Calais et de 19 degrés pour la région PACA. Et des maximales allant de 24 degrés pour Brest jusqu'à 30 degrés pour Ajaccio. Les températures encore bien au-dessus des normales de saison. Thank you.
Putain. Chier. Merde. T'as intérêt à te tenir jusqu'à la prochaine station, je te jure. Oh putain. 45 de 17h et dans 15 minutes, comme d'habitude, il faudra rentrer chez vous. Mais bonne nouvelle, dans quelques jours, nous passerons à l'heure d'été. Et alors le couvre-feu passera à 19h. Oh yes. Encore un peu tôt pour certains Français qui aimeraient passer un peu plus de temps dans les bars lorsque les beaux jours arrivent. Chose de faite. 22 mars 2028. C'est vrai que la côte est magnifique ici. Mais j'ai comme cette impression d'être aveugle. Je suis là. Je regarde la vue. Mais je ne la vois pas. Tout ce que je vois, c'est du noir. 23 mars 2028. Et tous ces gens qui continuent de vivre comme si de rien n'était. Les pêcheurs qui pêchent de l'eau. Les parachutistes qui respirent du feu. Et les promeneurs qui marchent sur la braise. Mais je crois qu'ici, je commence à comprendre ce que les gens trouvent beau. Tout ce qui les dépasse. Thank you.
pas mal du tout. Peut-être qu'un jour je pourrai voir se coucher le soleil.